Salut à tous, c'est Kalten Mackenzie et on se retrouve aujourd'hui pour la 24e partie du Let's Play sur Mario & Luigi Superstar Saga sur Game Boy Advance. La dernière fois, on avait fini cette partie-là, donc ce château-là, c'était le château du deuxième fils. On va continuer tout de suite. Voilà, part en combat. Ok, bon, ça commence agressif. On va commencer tout de suite en attaquant les Kameks parce que j'ai plus de difficultés avec le Kamek qu'avec les restes. Ok. Oups. Par contre, je viens de m'en rendre compte, j'ai pas essayé les techniques de main sur les trucs. Peut-être qu'ils sont vulnérables à quelque chose, je sais pas. Bon, les Kameks, ni au feu ni à l'électricité. J'aimerais bien qu'il arrête de se soigner quand même, lui. Oups. Ah. Putain, faut vraiment bien calibrer son saut pour le truc. Par contre, eux. Putain, merde, le feu les régénère la santé. Mais alors, peut-être que... Ouais. Ok. Bon, ça c'est bon. On va continuer à attaquer les Kameks avec les sauts. Et par contre, Luigi, je vais le faire attaquer le Tirayas là. Avec l'électricité, avec un peu de chance, il sera pas très long à battre. Oh, j'aime pas cette attaque. Et mince. Ok. Bon. Au moins, Mario récupère de la vie. Et ça, c'est bien. Oh ! Un ennemi en moins. Oh putain. Oups. Luigi va commencer à être mal en point un petit peu. Il est temps de regagner un peu de vie. Hop là. Par contre, Luigi gagne pas grand chose. Il faudrait que je leur fasse monter l'attaque à tous les deux. Par contre, j'aimerais bien qu'ils arrêtent de se régénérer leur vie là. Ouh, pas mal. Faudrait bien que je fasse augmenter leur attaque en fait. Histoire qu'ils soient un peu plus. Parce que comme ça, avec les sauts, ils se régénéreront plus de vie. Parce que le nombre de points de vie. Ça a l'air d'être le nombre de points de vie qu'il se régénère, c'est le nombre de dizaines de points de vie qu'il retire à l'ennemi. Alors là, 28, hop, 2 points de vie de gagné. Et là, boum, 20 points de vie, 2 points de vie de gagné. Et voilà. Bon, ce combat aura été un petit peu long peut-être. Mais bon. Allez, l'attaque. Ouh, plus 5 en attaque. Ça va être un bison notre Luigi. Bon. Il y a quelque chose là. Oh oui, il y a quelque chose là. Quoi, ouf, génial. Cool, super, merci. Et là, il n'y a rien. C'est tout ce qu'il y a en bloc. Je sais pas, vu qu'il y en avait un sur la gauche, peut-être qu'il y en avait un sur la droite. Bon. Là, à peu plus passé. Bon, troisième château, château du troisième frère, c'est parti. Est-ce qu'en bas il y a quelque chose? Oh, putain, il y a un bout. Ok, bon. Trois bouts, bien. Alors les bouts ne sont pas très puissants. Ah, aïe aïe aïe. Simplement, enfin ne sont pas très puissants.
sont pas très galères à éviter du moment que je peux bouger. Par contre, voilà, ils ont une défense de fou. Là, et c'est bon. Du coup, là, je retire leur point de vie par 1 ou 2 ou 4 quand j'ai de la chance, quoi, comme tout à l'heure. Là, comme ici. Bon. Ça, c'est pour Luigi. Ça, c'est pour Mario. Boum. Allez. Alors, je sais pas combien ils ont de points de vie. Ça a l'air d'être de l'ordre de la dizaine. Wesh. Bon, plus qu'un. Alors, je sais pas si je vais réussir à le battre à ce tour-ci. Ce sera peut-être le tour d'après. Ah non, c'est bon. Alors, je vais quand même utiliser un champignon ici pour soigner... pour soigner Luigi. Bah bon, on s'en fout un petit peu à notre moment de l'aventure, mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir un petit poids soda. Est-ce que je peux aller par là? Oui. Bloc relais. Enfin, j'en ai plus rien à foutre des pièces en fait maintenant, donc pas génial. Alors, on va essayer de faire ça bien. Et on n'a pas réussi. Bon, tant pis. Des snipers. Que j'aime pas. Oh putain, je l'ai évité. Ah bah ouais. Ah bien. Ah génial. Tiens, j'ai pas regardé eux non plus, je crois, si jamais ils craignaient quelque chose. Voyons voir, la main de feu... Oh putain, je lui ai régénéré 43 points de vie, quoi. Oh, et mince, j'arrive pas à différencier quand est-ce qu'il va lancer une boule machin ou un missile. Pas mal. En fait, la paume foudroyante de Luigi a l'air vachement utile sur beaucoup d'ennemis dans ce... cette zone. Oh. Bon, ça va, il y a plus dur. Ah, tournade mouvante. Ah, mais... Oh. Et... Ouais. Oh, mais c'est pas très loin, en fait. Enfin, bon, c'était... Elle allait pas très loin, quand même, comme truc. Bon. Et nous sommes donc dans le château de Lemmy. Troisième boss du coup du château de Bowser. Ok, donc il va falloir choisir le bon à tous les coups. Eh, pas de bol. Par exemple. Bon, encore celui du bas. Bon, ben... C'est celui du bas. Ah putain. Ce mini-jeu a des lieux de l'utilité. Ah bah ben enfin. Ouais. Prends-toi ça dans la... Allez, bon bah... On va être parti avec nos joyeux sauts de frères. 109, pas mal. Allez, bascule. Oups, j'ai manqué mon coup là. En plus, c'est bien, cette attaque-là, elle me permet de lui enlever des points de vie.
Ah bah c'est bien plus pratique. Ouh! Déjà? Ok. Ça a été plus rapide qu'un combat normal contre des ennemis normaux. Bon. Augmentons l'attaque. Oh, plus 5. Bien ça. Bien, bien. Bon bah j'espère que le reste sera aussi vite plié que ça. Bon, bah, c'est parti. Est-ce que c'est suffisant pour passer? Oui. Une autre porte. Et là, on peut aller nulle part. Ok, ben, quatrième château déjà. Vous voyez, hop, comme on va vite. Bon. Alors là, tant mieux que j'ai réussi à leur sauter avant parce que on va mettre un peu de temps parce que Luigi ne peut pas. Les Kamek sont vulnérables à rien, ni au feu ni à l'électricité, donc bon. Oh enfin, j'y arrive décidément pas. Voilà. Ah, je peux gagner maintenant 3 points de vie. Oui, tu fais chier un peu là. Ouh. Mario, t'es génial. Là. Un ultra sirop. C'est bien. Non, pas ça. Bon, bah vous reconnaissez sûrement ce petit jeu très sympa qu'il y avait dans la Ademi. Donc il faut envoyer des mini Mecha Koopa dans les trous des tuyaux. J'ai du bol. Et donc c'est de plus en plus difficile. Et par contre je n'ai que 4 essais du moment, à partir du moment où j'ai réussi à en foutre un dans un tuyau. Et là par exemple il m'en reste plus que 3. Alors j'espère que je vais pas trop galérer. Je sais plus, il me semble que j'avais pas mal galéré quand même à la Ademi. Enfin, c'était au sous-sol de la Ademi. Eh oh. Oh bien. Oh putain, j'ai pas trop galéré. Ça c'est génial par contre. Parce que ce mini-jeu là, je peux y rester pendant un moment. Ok. Langage, forage de la plante piranha, chatouillé par derrière, je crache toute mon eau. D'accord, bon. Donc ça, ça a à voir avec le fait que quand. Mario se fait chatouiller par derrière, voilà, alors qu'il a de l'eau, alors qu'il est rempli d'eau, ben il arrose les plantes, voilà. Une surprise! Oh putain, ils sont 3 quoi. Non! Non, pitié, pas 3 fois! Bon, 2, ça c'est bien, heureusement que Mario a fait un coup de chance. Je hais cette attaque. Mario s'en prend toujours une. Il me troll en plus, quoi. Allez. Ah, dommage. Et dommage, dommage, dommage. Je pense que à leur prochain gain de niveau, je leur ferai augmenter la moustache pour qu'ils fassent des points... des coups chance plus souvent. Que là bon ça dépendra des ennemis mais bon. Oh putain. Ouh, je suis fier de toi Mario. S'ils peuvent arrêter de se soigner mutuellement, ça m'arrangerait quand même. Bon. Ouh. Ça va, il attaque Luigi. Tant qu'il attaque Luigi, ça me va, moi. Et voilà. Bon, bah du coup, je peux arroser la deuxième plante. Ok. Pff,
Et à tous les coups, ça devrait ouvrir la porte. Bon, j'arrive au quatrième boss du château de Bowser, le château de Ludwig, le plus frère des frères, le plus classe des frères Koopa, d'après moi en tout cas. Oh, je sens que ça va être chiant. Ah putain, d'accord, hein. En plus on se retape toute l'animation en entier. Ok. Ouh. Oh putain, j'ai eu le pot. Et je n'aime. Bref. Nous allons galérer. Ouh. Wow. Je me concentre, hein, m'en veuillez pas. Bon, c'est bon. On va pouvoir le combattre normalement, je pense, maintenant. Oh, ce troll, quoi. Ok. Bon, faut que tu te décides, hein. Non, mais oh. Bon. Non, putain, c'est quoi ce regard? Bon. Allez, go pour les attaques du haut. Oh, 137. Ils ont tous les mêmes attaques, hein. Wouh. Ok, bon. Bascule. J'aimerais essayer un truc aussi. J'ai regardé une ancienne vidéo justement de cette... hein. Wow. Ok. De ce let's play. Et j'ai lancé l'attaque duo frère tonnerre. Et à partir de ce moment là en fait, la défense des ennemis s'est mise à baisser. J'aimerais réessayer. Merde, quel con. Eh, ça marche, putain. Ok. Donc ça marche, ok. Oui, je voulais augmenter leur point de moustache. 4, c'est pas mal, c'est bien. Bon, bah, boss numéro 4 vaincu sur 7, enfin, frère numéro 2 vaincu. Ouais, donc là, il voulait pas remettre juste battre le boss, ça fait monter la plateforme. Il a fallu qu'il rajoute un truc pour faire pas pareil, vous comprenez. Et apparemment, le... Pas mal. Le prochain château est juste là en fait, finalement. Parce que là, est-ce qu'on va pouvoir aller... Non, on peut pas. Donc bah ouais, voilà. Cinquième château. Hop, on agresse les Kameks. Oh putain, ils sont trois, quoi. Allez Luigi, fais-moi des coups de chance maintenant. Aïe aïe aïe, on va se prendre 3 attaques de Kamek. Hop, non. Et il est pas réussi. Bon. Eh, vous savez quoi? Je pense que là je peux le faire et je pense que je vais maîtriser ça. Hop. Voilà. Non. Allô. Baisse de défense peut-être, non? Alors, je crois que c'est la première fois que je la réussis cette attaque. Ah non, si, vous avez... il y a les icônes, pardon, c'est juste qu'ils se la cachent mutuellement. Mais elles sont là. Regardez, 65. Et du coup, comme ça... Plus, comme je leur inflige plus de points de dommage, eh ben,
Moi, j'en regagne plus grâce à mes attaques de saut. Vous avez vu comme la vie est bien faite, quoi. C'est magnifique. Ouais. J'ai fait n'importe quoi. Oh, putain. Heureusement que j'ai baissé leur... bien. Heureusement que j'ai baissé leur défense, hein. Putain, c'est trop bien, en fait, cette attaque de tonnerre, là. Alors ouais, peut-être une chose que j'aurais dû faire, c'est... parce qu'en fait, vous avez vu, donc, Mario et Luigi n'ont que 3 attaques chacun. En fait, il y en a une quatrième, mais qui n'est pas obligatoire pour finir le jeu. Donc, je ne l'ai pas. Je ne les ai pas, je ne sais plus où elles se trouvent du tout. Mais bon, bah là, c'est un peu tard, du coup, pour aller les chercher. Ok, et là il faut aller par là. Ok, donc ça va être un truc de rapidité à tous les coups. Est-ce que je... Oui, Luigi peut entrer, mais par contre il ne peut pas aller par là-bas et... Ah bah non, quel con. Allez, re-enfonce-toi. Voilà, il faut passer sous les grilles successivement. Blablabla. Ok. Ça a l'air d'être un joyeux micmac tout ça, hein. C'est... Ouh. Parce que là, du coup, il faut que je revienne en arrière parce que du coup, Mario ne peut plus passer. Bah non. Ah, Mario ne peut passer qu'en étant petit. Et voilà, c'est bon. Boum. Allez Luigi, viens la grotta. Oh putain, encore un truc à énigme. Pas que ça me déplaît, mais j'ai bien envie d'affronter le boss. Ok. Donc ouais, ça a pas l'air d'être un truc très compliqué. C'est juste qu'il va falloir suivre un chemin avec Mini Mario. Oh putain. Oh putain. Ouais, va falloir bien gérer du poney là parce que... Non, putain. Hein. Mais c'est pas possible là. Cours Mario, cours. Oh putain. Ouais. Caméra peut-être. Merci. Ouais, donc non. Ok, bon, bah... j'aimerais bien, en fait, affronter ce bout avant, quoi, parce que... Ouf. Oh, quel con. Bon, je crois que je vais faire une croix sur ce truc. Non. Ce bout me fait peur. Ah. Non, j'ai quand même envie de récupérer l'objet. C'est peut-être un... Enfin, vu qu'il est pas évident à attraper, ça doit être un objet cool. Non. Je vais y arriver, je vais y arriver. De toute façon, je pense qu'on arrêtera après le boss de ce château. Hein. Ouh. Ah, ah. Un champi one-up. Ouais, c'est cool. Vu la difficulté, j'aurais... Je préfère un super champi one-up, tu vois. Ah oui. Oh putain. Non, non, non. Putain, c'est salaud quand même. À mettre des bouts avec des gros ennemis alors qu'on est tout seul. Wouh. Alors, ça va être rigolo ça.
hop là et hop là. Put. 11 grouilles, oui. Alors, là nous avons un passage 2D. Oh. On revient aux sources des anciens Super Mario. Ouais, cool, je fais comment moi? Bon. Ah, d'accord. Je pensais pas qu'elle allait avancer toute seule le truc. Bon. Wow. On se calme, hein? Oui, mais enfin là, je reviens en arrière du coup. J'aime beaucoup la référence. Hop là, et entrons dans le tuyau. Donc oui, on aura comme ça battu 5 rejetons de Bowser sur 6, sur 7. Ce qui est pas mal. Voilà, château de Roy. J'ai pas regardé si j'aimais enfin, on va éviter, voilà. Si jamais, oui, l'ordre est respecté par rapport à un autre jeu, genre si l'ordre dans lequel on combat les frères est le même que dans Super Mario World, par exemple. Parce que je sais que Roy est le cinquième boss aussi dans Super Mario World. Ah, des blocs simultanés. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Et voici notre bon ami Roy Koopa. Bonjour. Ah, c'est les... Hein? Ok, mais ils fuient tous, hein. Ludwig, Roy, tout le monde. Ah bah, faut savoir. Ah, j'avais oublié ces trucs-là. Voilà. Donc, on a un game over quand le bobombe atteint 0. Et donc, on a 8 tours pour battre Roy Koopa. Ce qui devrait le faire, hein, vu la rapidité avec laquelle on bat les boss maintenant. Il y a des chances qu'on y arrive. On va baisser sa défense déjà. Merde. Oupsie. Alors normalement, même quand on se foire, l'attaque, la défense baisse et là c'est son cas, c'est bon. Hop là. Et mince. Alors là, il va nous envoyer des ondes de choc. C'est fait. Non. Voilà. Enfin, 218. J'aime Mario. Je voulais augmenter les points de moustache, si je ne m'abuse. Oh putain, il y avait que des 5. Il y avait que des 5. Deg. Bon. Bon, bah, on va faire le petit truc avec le tonneau avant de se quitter, je pense. Hop là.
Voilà, ça nous fait penser au bois du rire, c'était mignon quand on découvrait ce truc avec les nounous. Il se passe quoi là? Ok. Ok. Bon, bah on va pas s'en soucier hein, des blocs parce que sinon faut tout refaire. Plutôt que ça, on va pouvoir commencer directement le sixième château, donc battre le sixième rejeton de Bowser. Puis ensuite, il y aura le septième, et puis ensuite, il y aura d'autres boss, parce qu'il n'y a que ça dans ce truc, j'ai l'impression, il y a autant d'ennemis que de boss. Bah voilà. La prochaine fois, on se fait ça, on approche dangereusement de la fin du jeu, ça c'est cool. N'oubliez pas, si jamais vous aimez cette vidéo... Si vous aimez ce let's play, un partage, un pouce vert, un commentaire, tout ça. Enfin bon. Du coup, bah, en attendant la prochaine fois, je vous dis portez-vous bien. Ciao!